J'espère que vous allez bien. On est samedi le 11 novembre. Bon matin. Là, j'ai acheté un ballon au Costco. Puis il a mis son pyjama de Noël de l'année passée. Regardez, c'est beau. Ça, l'année passée, j'avais commandé ce pyjama-là sur eBay, mais on ne l'avait jamais eu à temps. On l'a eu, je pense, au mois de mars. Je pense qu'on l'aura pour l'année prochaine. Je pense qu'il est quand même grand. Donc là, il met, il commence à le mettre, parce que c'est pas simple, je ne veux pas le garder pour notre réveillon de Noël, je vais en acheter un. Mais oui, puis là, il joue au soccer. J'ai pas bien dormi encore. Là, Lucas, il est arrivé dans ma chambre, je sais pas trop à quelle heure, pour dire qu'il saignait du nez, puis tout ça, puis il voyait rien. Fait que là, il allait le nettoyer, tout ça, puis là, je me suis recouché avec, puis on dormait. Puis il se réveillait full de bonheur, parce qu'il y avait des nouveaux jouets, puis il avait hâte de jouer avec. Il y a eu des Legos, il y a trouvé des blocs hier au Simposco 97, on va vous montrer ça tantôt. Il y a une balançoire, il y a des bonhommes, il était content. Puis là, je vous ai pas reparlé qu'on a allé du Costco, parce que on a mangé des hot dogs. Puis là, je filais mal, là. Je pense que je mangerais plus de hot dogs au Costco. Je filais mal, j'étais sûre, j'étais pas une malade. J'ai de la misère à digérer, en tout cas. Fait que ça, je vous ai pas trop parlé, mais c'était le fun. Ben, quand c'était talente. C'est rare que quand c'était talente, mais là, c'était talente parce qu'elle voulait toujours aller pogner la roue, sa poussette. Là, on essaie d'avancer, on n'avait pas du poignet droit. Je faisais un bout qu'elle faisait pas ça, puis elle recommençait à faire ça, je sais pas pourquoi. Fait que ça, c'était un petit peu clair. Mais à part ça, il n'y avait pas trop de monde, ça allait quand même bien pour des commissions. Mais tu sais, je pensais un petit peu des affaires de Noël, mais ça, j'ai rien trouvé. Il y avait des belles affaires, mais ça coûtait cher, je trouvais. Puis on a acheté un petit peu de bouffe. Puis, je me suis acheté des bottes, c'est vrai, je me suis acheté des bottes à 30$. Ils sont pas pires. Je vais vous les montrer tantôt aussi. Mon chat, c'est 30 gilets à 8$. Il y a 8,7$. Que je vais montrer ça tantôt. Le cassé élevé. Le cassé élevé aussi. Elle a bien dormi. La petite fille, elle a la tête de prendre son jus d'orange pour son médicament. Pacifique. Moi aussi, j'ai soif. Toi aussi, t'as soif? Qu'est-ce que tu veux voir? C'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire que je vais t'en donner. Puis là, ben, on dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Elle a envie de faire beau. Peut-être que je travaille dehors. Ouais, c'est ça, on a trouvé ce gilet-là à 8,97. Puis moi, je le trouvais quand même beau. Regardez mes bottes, c'est ça. Mes bottes pour 30$, hein. C'est quand même belle, là, pour 30$. Donc là, on a acheté ces bottes-là aussi pour hommes. Les autres étaient 25$, hein. Je vais montrer que j'ai appris. Ouais. J'ai appris à faire. Elle a rattrapé en hauteur. Ouais. Bon, voilà, on va faire manger Katou. Et on est rendu samedi de midi et demi. Sur la maison, on a fait une sorte d'affaires. On est. Mon chum est allé faire un peu d'épicerie. On est allé à boucherie. J'ai parti le souper. J'ai fait du poulet de porc. On a dîné. Puis là, ben. On relaxe, on écoute le lutin avec Lily. Elle est dans sa chambre à côté là. Dans sa chambre. Puis mon chum est parti faire un petit peu dehors. Mais là, on attend les parents parce qu'elles vont sûrement monter avec Annie l'après-midi. Fait que là, c'est ça là. Moi, je fais mon montage que j'avais pas encore. Je sais pas encore fait. Puis je me laisse à côté de Lily qui écoute. Le lutin. Les caisses pratiques pour. Les caisses pour aller. Au parc. Ouais, aller au parc avec Sabrina, t'es chanceux. T'espères de pouvoir jouer dans le sable, hein? T'espères de jouer dans le sable? Ouais. Sauf que l'on sait pas si va être gelé, on va voir. Ouais. Il arrive? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas un petit peu pareil? Bye, Lucas! Salut! Allô! Salut, Lucas!
Bye, Lily! Ben, grand-maman n'est pas venue! Mais c'est ça, là, ils sont partis au parc. Fait que là, on travaille dehors. Puis c'est ça. Et là, regardez, grand-maman a envoyé des calendriers. C'est fun, hein? On avait juste acheté un liqueur, fait que on va pas repartir avec les autres. Fait que c'est ça. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je suis tombée fatiguée, là. Aïe! Toi, fais toto! Fais pas tard cet après-midi, puis t'allais s'accoucher, puis fais toto. On voyait mon chum et son frère qui travaillent. Allô! Ça fait du bien, je décide de sortir dehors parce que. Ça me semble que j'avais besoin de prendre l'air. Cassin est couché, elle dort encore après-midi. Puis, ben là, Sabrina est dans la maison pour la surveiller parce que là, les gars travaillent dehors. Fait que c'est de quoi, si ça se réveille, ça va être là. Puis moi, ben, je profite de prendre l'air avec Lucas qui fait du vélo. Hein, Lily? Viens-tu? Puis après ça, je retourne à la maison, mais j'avais peut-être pas su aller faire un gâteau. Je pensais aller faire un gâteau pour le dessert. Mais ça sent bon, ça sent bon filet de porc dans la maison. C'est bloqué! Attends, on va aller voir. C'est bloqué dans les goûts. Tu sais, ça bouge. Un peu. Viens, vas-y. C'est quand même une très belle journée d'automne, pareil. C'est pas chaud chaud avec un manteau d'hiver, on est bien, bon, on sent le soleil. On a pris la vitamine du soleil, Lulu. On prend la vitamine du soleil, ça fait du bien. Ah, oh, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien les marchés, Lucas. Oui, j'ai fait 15 minutes, ça fait du bien. Moi, j'ai pas de chocolat chaud. J'ai pas de chocolat chaud. Ouais, il vient de sonner. Puis, dans le temps que je suis partie, quand ça s'est levé. Moi, je vais me laisser la peau. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est bien, c'est un beau repos. Puis Sabrina est dans ses travaux. Des gros travaux, hein, ça? C'est lourd. Elle travaille beaucoup, ça, dans ses affaires, hein? On écoute un film. C'est ça? On va écouter un film. Finalement, c'est un peu, je ne sais pas parler. On a soupé, puis c'était un bon soupé. Puis la personne a donné les bains. Puis là, bon, c'est ici, puis on écoute un film. Fait que la journée va se finir de même. Je pense pas qu'elle va être là aujourd'hui parce que j'ai pas fini bien bien. Mais c'est ça. Fait qu'on se reprendra demain. Fait que je vous dis bye bye. Bonne nuit.